Bonjour et bienvenue dans cette vidéo destinée au Walther PPQ M2 T4E en calibre .43. À l'occasion du salon de l'IWA à Nuremberg, Humarex a dévoilé toutes ses nouveautés pour l'année à venir et l'accent a été mis sur la sécurité avec une large sélection d'accessoires tactiques. Boom de défense, lampes torches, couteaux, mais aussi un nouveau système d'armes à billes caoutchouc destiné à l'entraînement et à la simulation de combat. Baptisé T4, acronyme de Train for Engagement, cette gamme de répliques convertit des airguns de loisirs habituellement à billes d'acier ou plomb diabolo vers le tir de billes de calibre .43, projectile employé open ball. L'idée est de proposer aux tireurs civils comme professionnels un lanceur non létal qui servira à l'entraînement dans des conditions proches du réel, en conditions de fusillade ou d'intervention, en réduisant bien sûr le danger au plus bas niveau. Pour cela, Humarex a introduit la réplique du Walther PPQ M2, bien connue des forces de police allemandes, que vous verrez à l'œuvre dans quelques instants. On attend pour la suite une réplique de fusil d'assaut HK416, fonctionnant selon le même principe et qui fournira un complément en armes longues aux opérateurs. Mais avant les tests, découvrons ce PPQ plus en détail. En apparence, le pistolet vous voyez ici n'est pas si différent de la version à billes d'acier. Si ce n'est qu'elle tire un projectile de calibre .43 ou 11 mm sous la forme de billes caoutchouc, de craie ou billes avec agent irritant pour mettre en fuite un éventuel agresseur. La bille caoutchouc propulsée est comprise entre 0,9 g et 1,3 g à une vitesse entre 90 et 110 m/s, développant ainsi une énergie de 5 joules, soit environ un quart de la puissance d'un pistolet à blanc muni d'un embout bas caoutchouc. Ce projectile n'est pas létal, mais peut occasionner de vives douleurs. On prendra donc toutes les précautions nécessaires au cours de son utilisation. Comme un airgun, le Walther PPQ M2 T4E fonctionne grâce à une cartouche de CO2 de 12 g que l'on introduit dans le chargeur. On constate que tout est surdimensionné pour accueillir les billes de gros calibre, qui sont au nombre de 8, rangé en colonne. Côté réalisme, on apprécie la fidélité de la réplique qui respecte les dimensions de l'original et qui reproduit les principales commandes comme le bouton de chargeur, la détente articulée, les organes de visée. Les conditions sont réunies pour s'entraîner au tir tactique avec un réalisme particulièrement soigné. Voilà, maintenant que vous en savez un peu plus sur son fonctionnement, voyons ce dont le PPQ M2 est capable. Comme nous avons l'habitude, nous faisons des essais de pénétration dans de la terre d'argile. Nous avons à peu près un champignonnage de 2,45 cm et une cavité de presque 3 cm. Nous vous conseillons, pour l'entretien de votre arme, de mettre un léger coup de spray sur le stop bille en caoutchouc, la petite pièce noire qui retient vos billes. Ainsi que nettoyer régulièrement, à peu près tous les 15 coups, votre pistolet avec le squeegee ou racloir, afin d'enlever les excédents de poudre ou talc dus au passage des billes. À mi-chemin entre l'airsoft et le paintball, le système T4E offre à la fois le réalisme d'une réplique et la puissance d'impact d'un projectile caoutchouc que vous pourrez échanger par un modèle acré ou encore garni d'agents irritants.
En connaissant déjà les prémices du système T4E avec le fusil à pompe SG68 de Walther Humarex, mais Humarex pousse aussi ici la réussite d'un cran plus loin. La précision est bonne à courte distance et l'on se prendra facilement au jeu de l'accessoirisation avec des holsters, lampes ou lasers à monter directement sur le rail Picatinny du pistolet. Retrouvez cette nouveauté Humarex directement sur notre boutique en ligne avec tous ses accessoires et consommables. En attendant notre prochaine publication vidéo, nous vous souhaitons une bonne navigation sur notre chaîne YouTube et vous donnons rendez-vous très bientôt.